Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs. On se retrouve avec Katox et Katox. Salut. Et on était donc toujours en mode un peu noob, mais quand même peut-être bientôt sur la fin. Puisque on est en train de préparer le lancement de la fusée, mine de rien, et c'est quand même pas rien. Ça se rapproche. C'est ça, ça se rapproche. Je m'étais dit en off que dans la fabrication d'éléments de fusée, là j'allais en demander que 10 des trucs parce que vu qu'il en faut un par élément, c'est quand même largement suffisant. Et ça évitera qu'il y ait un coffre qui soit plein pendant que l'autre à côté glande. Donc 10, ça permettra d'avoir largement assez d'avance et je pense qu'on va même en faire un de plus. Voire 2 de plus, parce qu'après tout, on n'est pas là pour s'emmerder, voire même 3 de plus, voire même 4 de plus. Allez hop, c'est parti. Hop, pouf, pouf, il nous faut des coffres rouges. Il nous faut également des coffres bleus d'ailleurs. Hop, hop. Hop. Ici, on en demande 10. Donc là, on en prend un petit peu et on les fout là. Donc les pièces de fusée, c'est là. Voilà. Il nous faut des trucs verts. Alors on va désactiver le machin là pour qu'ils arrêtent de me décharger tout et n'importe quoi. On va prendre 13 ici, on les fout là. Ici, il y en a 4. Ici, on prend des ça, on les fout là. Il nous faut un coffre bleu là. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Il manque. Ici, il n'y en a qu'un. Ici, il y en a 12. On en prend la moitié. On injecte là. Ici, on en prend 4, on en fout 4, on en prend 5, on en fout 5. Ça devrait déjà permettre d'avancer un peu. Au niveau des modules, on peut mettre un module comme ça, un module comme ça, un module comme ça, un module comme ça. Ce sera toujours ça de prix. On réactive ça. Ici, on va mettre notre dernier module comme ça. Ah oui, non, c'est vrai, on peut pas utiliser ça. Toi, t'as tout ce qu'il faut pour travailler. On va donc t'en foutre un deuxième. Hop, ici, on fait des modules de vitesse de base. Ah, ça marche ça ou pas? On va voir. Ah, ça fonctionne, parfait. C'est un peu moche, mais ça fait le taf. Tac, tac, tac. Et tac. Alors toi tu travailles pas, vas-y bosse. Alors il nous manque du carburant pour fusée. On est à 7%. Où est-ce qu'il était ce carburant? Je crois qu'on le faisait par là-bas. Attention au train, n'est-ce pas? Ah, t'en refais pas avoir. Ouais, on le faisait là, le carburant pour fusée. On va dupliquer ça. Merde, putain, raté, quel con. Je masclick, excusez-moi. Hop, voilà, c'est l'inverse. C'est contrôle et droit. Non, c'est droit et comme ça, voilà. Il
il nous faut du jus. Il nous faut... Ah oui, merde, mais il faut que... Oh, attendez. Hop, hop, on va plutôt le mettre ici du coup. Un barra. Hop, et on va décharger là-dedans et là-dedans. Il nous faut de la... toi tu vas te bouger. Un truc souterrain là. Ouais, ça matche pas ça. C'est embêtant. Est-ce que je peux pas arriver là? C'est-à-dire qu'on va devoir décaler ça d'une case. Et on peut pas à cause de ça. D'accord, très très bien. J'avais oublié ce détail. On va donc décaler ça d'une case, tant pis, et mettre un bras rouge à la place. Ah, ah, je galère sur ces raccourcis clavier, c'est un truc de fou. Alors ici, t'aurais bien besoin de quelques modules de vitesse, toi. C'est parti. Pétrole léger, c'est pas trop ça. Hein. Est-ce qu'il faudrait qu'on en arrête quelques autres là? Non, on fabrique un max de pétrole léger là. Mais ça ne va nulle part parce que j'avais cassé un tuyau là. Parfait. Réinjectez-moi du pétrole léger là-dedans, s'il vous plaît. Vous serez bien urbain. On a des robots, on a ce qu'il faut dans le circuit ou pas? Des tuyaux coudés. On a quelques tuyaux coudés. Il faut juste le temps que ça revienne. Ok, il arrive. Voilà, parfait. Alors ouais, ça pompe quand même, mais au moins ça bosse. C'est le principal. Là ça bosse, on a un petit peu d'avance ici. On va foutre un truc comme ça. Il faudrait presque une deuxième. Hein. Une deuxième usine de produits chimiques qui prend... Ça prend quoi déjà ce truc là? Juste du gaz de pétrole, sérieux, c'est tout? Pourquoi on se fait chier? Quelqu'un peut me dire pourquoi on se fait chier? Où sont les usines? Usines de produits chimiques, j'en ai pas. Allez, ponctionne-moi ça. Hop, on va en construire une juste ici. Parce que là... Bordel. Elle est là. Ici c'est parfait, il y a tout ce qu'il faut. Du combustible solide. On décharge, on met un poteau, on récupère de la tuyauterie ici. Hop, et hop, et hop, c'est parti. Là-dedans on a un débit de pétrole léger qui est juste, mais ça fait le taf. On va voir si ça, une fois que ça se mettra à bosser, si ça suffira. Hop, 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 voilà. Allez, posez-moi des fucking pots de tuyaux, s'il vous plaît. Merci, c'est parti. Alors du coup, le pétrole léger, ce qui suit. Des unités endommagées, ok ça va, tant que c'est pas détruit, c'est bon.
Attends, je me mute juste un petit instant, je reviens tout de suite. Excusez-moi, je remets en route, pardon. Petite Voilà petite donc. question logistique rapide à gérer. Alors, on a plein de béton, on a plein de trucs. Bon, du coup, ça y est, on a une production, je pense, pas dégueu de carburant pour fusée. On va pouvoir aller voir du coup ce que ça donne au niveau de la fusée. Alors toi, je sais même plus t'es où du coup, parce que tu m'as dit que t'étais du côté des pierres. T'es absolument plus du Non, côté des pierres du coup. Ah oui, tu es en c'est train de juste. nettoyer. Ah, c'est sympa les grosses croix là, c'est des tirs d'artillerie. Ouais, ça, c'est ce que tu peux prévoir avec. C'est vrai que je suis peut-être hors de portée, mais le. Ouais, c'est pour ça que ça il tire pas du coup. Un monsieur qui est le. Allez, le train qui est au pétrole, en théorie, ça devrait être. Ça Alors devrait faire le attention, taf. t'as un gros tas qui t'arrive dessus. J'ai vu. Bon, ça Donc, va, en théorie, ça peut. ils sont pas trop énervés, hein. Ils marchent tranquillement. Non, je suis même pas sûr qu'il vienne réellement vers moi Ouais, au final, mais bon. ils lancent l'assaut tranquille vers le truc. Ouais, ça y est, là, ils tirent le machin, ça les excite un peu. Ah ben, il y a un petit bus. Hein. J'avoue. Ça y est, tous tes tirs commandés ont été lancés. Non, ça, c'est les artefacts sur la map, c'est pas vraiment des mobs, hein. Mais ouais, ils doivent sans doute se regrouper, ce doit être eux qui viennent attaquer du côté du pétrole là. Alors du coup, On va est-ce que voir ce tu qu'il nettoies pour le répond. plaisir de nettoyer ou tu prévois quelque chose de particulier? Je réfléchissais pour établir un périmètre encore plus grand. Ce truc, c'est qu'il faut alors lancer la construction de Roboport et que ça va encore bouffer tout l'acier disponible et toutes les. Oh, tu Ce peux, hein, qu'il y a. on n'est pas non plus. Là, je vois que c'est pas assez encore ce que j'ai produit. Du coup. On va en refaire une usine de produits chimiques. Hop là. Alors non, parce que du coup, ça va, je vais la copier-coller. Est-ce qu'on peut la tourner? On peut la tourner. C'est pas mal ça. On va repartir en souterrain ici, et pouf, on va arriver comme ça. Non mais je t'en pose une, voilà, s'il te plaît. Ah merde, ça passe pas. Quel enfer. Quel enfer! Et du pétrole léger, donnez-moi du pétrole léger. Bah, ce qu'on va faire, c'est un truc comme ça. Alors, non, du coup, pas ça. Un truc comme ça. Hop. On va souterrainiser par ici. Revenir, du coup, là. Et puis, bah, ça, on va le virer. Le recopier-coller. Et le tourner. Voilà, comme ça. Et ici, on met un tuyau. Parfait. Pendant ce temps-là, notre usine est faite. Voilà. Ici, tuyau, tuyau, tuyau. Un petit bras pour charger. Un petit bras pour décharger. Un truc rouge. Du courant. Ah, vous allez me mettre ça comme ça, ici, boum boum boum. Ici, boum boum. Pour le coup, un diffuseur de modules serait peut-être utile, là on en a un, je crois. Ah, si t'arrives à bien optimiser l'espace pour caler un diffuseur au bon endroit. Genre là, par exemple, on vire ce poteau qui sert à rien, on va récupérer ces modules-là. Ainsi que celui-là, on va les foutre dedans. Ah, on peut en mettre que deux.
Ah, on peut pas mettre de modules de productivité, ça commence bien. On peut mettre des modules de vitesse. Donc on va remettre le module de productivité là. Donc là on a un petit diffuseur de modules des familles qui booste 3 trucs de fabrication. C'est pas si mal. Maintenant j'aimerais bien des diffuseurs, enfin des modules de productivité de couleur rouge. Parce que je n'en ai plus. Je pourrais les commander, hein, vous me direz, mais bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas traversé la base intégralement. Alors est-ce qu'on a un petit stock? Même pas d'ailleurs, hein. On n'a pas en stock des modules comme ça. Donc, de toute façon, j'aurais pas pu en commander. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de trucs rouges. Parce que j'imagine on consomme quasiment tout pour faire nos modules de vitesse, logique. Ça part très vite, hein, ces modules. C'est pas hyper grave. Ce qui compte, c'est que eux travaillent à fond la caisse. Et ça a l'air d'être le cas. Même s'il y a une légère, un léger manque. On est où ici? Ah, on a pas mal d'avance, hein. On va en virer un, histoire de réduire un petit peu la production. Toc. Les modules de vitesse. Et on va utiliser les modules qu'on a récupérés là-bas. Je te vois bien statique, tout va bien? Je planifie. Tu planifies des tirs d'artillerie? Je planifie surtout est-ce que je vais faire mes murs. Je pense le faire un petit goulet d'étranglement au sud. Je vais aller jusque là. Puis je vais continuer, ouais. Ça, on est encore blindé de. Blindé de robopar. T'as réussi à relancer une construction de robopan derrière? J'ai tout qui est prévu. Pour l'instant, on est en stand-by parce que du coup, je t'ai dit, ça bouffe une quantité de ressources assez impressionnante quand même. Elle est où ta production? Comment situer ça? T'as ta ligne d'assemblage pour des. Allez, des engrenages. Et juste à côté. Yep. Juste à côté, vers le centre de la base, t'as un petit endroit qui ponctionne les Ah engrenages oui, pour les ok, je le pompages, vois, etc. ouais, d'accord, ok. Machine d'assemblage rapide là, à côté là où on produit les tapis bleus. Ouais, c'est ça. Et t'as besoin de bois? Non, parce que c'est en même temps le moment où quand j'ai besoin de construire des poteaux électriques, je switch la production. Ah, d'accord. Comme ça va tout aussi vite, j'ai pas besoin d'y penser. Le mec optimise quoi. Après, on en a 166 dans le réseau des poteaux électriques, donc. Ça part très vite, hein. Alors là, ça marche plutôt bien. On manque de modules de vitesse ici, ouais, ça s'arrête ça, ça va pas ça. Il nous faut plus de carburant solide. Et pour ça, hop, bam boum, voilà. L'objectif, c'est qu'aucun de ces trois trucs ne s'arrête. Hein. Sept tourelles sont entrées en combat avec l'ennemi. Ah oui, elles viennent vers toi, là, les petites bestioles. Là. Les gaffes, elles vont te choper, là. Ah non. Je pensais qu'elles allaient se mettre en haut et te cracher dessus, mais en fait, non. Il y en a une qui se crachait sur elle-même, étrangement.
c'est une manière comme une autre de prendre son bain. Ah mais il y a un nouveau nid qui est apparu là, putain la vache quoi. Elle n'arrête jamais. C'est quoi qui doit être mis à jour? Ah, un truc vert. La vache, on est plein de... d'obus, dis donc. D'artillerie. C'est la teuf. Ça c'est bien. Alors on m'a reproché de pas mettre suffisamment de lumière, mais c'est vrai que depuis qu'on a les lunettes infrarouges, je fais absolument plus du tout attention à la nuit quoi. Ça aide vachement quand même. C'est vrai que les petites lumières ça rend le truc un peu plus beau quoi, mais bon, là je peux être coupable. Bon bah ça a l'air de bien tourner ici, c'est cool. Passer par là et par là. Alors comment ça se passe? Ah, c'est toujours les le carburant pour fusée qui est lent. On est à 19%, ça avance doucement. Il faut combien pour une partie de fusée? 10 carburants pour fusée. Non, ben, on va augmenter le carburant pour fusée, si je vous dis. De toute façon on a largement ce qu'il faut en gaz de pétrole donc alors, on va faire hop comme ça. On va se faire chier. Hein. On peut enlever ce poteau, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, ce qui va poser problème, c'est le courant par contre. On n'a pas de poteau assez grand pour ça. Porte du câble 30. Ouais, on va faire quelques-uns des comme ça. Quoi? T'es pas dans un robot-port toi? T'es sérieux? Ah oh, la vache. On a encore des zones qui sont pas couvertes quoi. Alors, mes grands poteaux. Il y avait déjà en fait. Ah mais c'est pas du tout ça qu'il me faut. Poste électrique. Ouais, c'est plutôt ça qu'il me faut, un poste électrique. Le cas est là. Voilà. Ça, ça ne fonctionne pas parce que pourquoi? Bah oui, non, ma logique. On va changer ce petit design là. On va plutôt demander des tuyaux comme ça, comme ça, comme ça. Et ici, pareil, au lieu d'envoyer ça là, hop, ici. Putain, on est sur une ligne là, fuck. Va chier. Voilà, un truc comme ça. Et après, on va peut-être être un peu en dèche de pétrole léger. On va voir ça. Où nos robots de construction là, ils se bougent ou pas? Ouais, je préfère ça. On a des tuyaux coudés dans le réseau, on n'a pas de tuyaux coudés dans le réseau. C'est un peu la tristesse ça. Voilà, c'est parti, on les pose nous-mêmes. Alors, est-ce qu'on aurait la place pour un petit diffuseur de module ici? Faut qu'on le mette là. Faut qu'on décale ça d'une case.
relancer des coffres rouges, ce sera sûrement utile plus tard. Boum. Ah, on a plus de trucs de vitesse. Si, voilà, ils arrivent. Alors maintenant la question c'est le pétrole léger, qu'est-ce que ça donne? Bah c'est pas mal. J'aurais cru qu'on serait en dèche, mais en fait ça va. Et le gaz de pétrole on est large aussi. Ouais, en fait ça va, le pétrole léger, on a une bonne production, on est peut-être même en train de faire un peu de stock. Ouais, on a même le stock qui monte doucement. Bon bah, parfait. Faire un de plus. Il faudrait qu'on casse ça. Non, ça c'était nécessaire par contre. Allez, vas-y, posez-moi tout ça. Ah, on a plus de machines, merde, on a plus de machines vertes. C'est parti. Bon, des machines vertes, ça prend des plombs, mais c'est pas hyper grave. En plus, il est dans la portée de ce diffuseur, donc on n'a pas de raison de se gêner. Il nous faut un petit poteau supplémentaire là, un petit tuyau, pardon. On va peut-être s'arrêter à la bleue. Hein. Bah, j'en ai une en plus, une bleue. Allez, c'est parti. Et là, on va relancer ça, ça va travailler tranquillement en fond. Ça y est, on commence à avoir un petit peu de réserve d'avance, même si ça se compense assez vite. En mettre combien là-dedans? Ah oui, on peut en mettre beaucoup, ça. Pas trop de stress. Oula, les robots de construction, ils partent dans la nature, j'imagine que c'est pour toi. Exactement. Est-ce qu'ils vont disparaître dans cette case? Non, ils sortent, c'est bon, il n'y a pas d'ennemis. C'est risqué quand même, hein. Là, il traverse un petit peu une zone où, à mon avis, il va y avoir des mobs bientôt. Non. Je le sens confiant. Parce que, comme à chaque fois, ils partent de la base, j'ai pas. Allez, j'ai fait le chemin des robots, en théorie, ils longent la côte, là où il y a personne. Donc. Ouais, mais justement, regarde là, il. Bon, bah là, il vient de faire demi-tour, mais théoriquement, il traverse la bande rouge qu'on ne voit pas là. Il y a ceux qui reviennent avec le bois là. Ah là, oui, mais je l'ai nettoyé là, donc c'est bon. Bah c'est quand il va y avoir un assaut qui va se lancer quoi, que ça va changer un peu éventuellement. Mais on verra au pire, on aura des messages de toute façon, pas de... pas trop de stress. Message du jeu, il y a tout qui est pété. Tout le monde est mort. Vous allez tout péter. Toi... Bah non, on va pas prendre des bleus parce qu'on est en train d'en fabriquer, on en a besoin. Et dès que c'est fait, dès qu'on aura quelques verres, on reviendra dans le coin. D'abord, on va aller voir un peu à quoi ça ressemble ici. Ah, désormais, c'est les structures de faible densité qui manquent. Et on est à 35% de la fusée. Alors, est-ce que les structures de faible densité, ce serait pas parce qu'on bouffe plein d'acier? Non, pour l'instant, non.
Ça va être juste parce qu'on est au max de notre production, sûrement. Ouais, bah non, pourtant on en a plein. Pourquoi tu charges pas, toi? Ah, parce que toi tu déposes. Ah oui, il y a que celle-là qui... Ouais, non, bah c'est tout naze, ça. Ouais, bah, enlevez-moi ça. Hop, on va prendre un coffre qu'on va mettre là. Un truc qu'on va mettre là, et on va dire on en veut comme ça, genre par exemple, voilà, ce sera très bien. Et là, ça devrait aller un peu mieux. On va consommer un peu comme des porcs, mais c'est pas grave. Et après ça, je pense qu'on va commencer à être bien. Donc on va regarder. Là, on a une petite réserve, une bonne réserve de ça. Ici, qu'est-ce que ça donne? Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Tout le monde a des réserves. 10, 10, 10, 11. 18, 10, 10. 12, 11. Parfait. Voilà, là c'est bon. Ça va tourner un peu. Presque le braque est trop long. Je mets en pause, si c'est bon pour toi, t'es pas coincé sur un truc? Non, je suis pas dans le combat, mais c'est pas grave. Bah vas-y, finis. Et c'est fini. Effectivement, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la carte pour aller sur toi. Du coup, on va arrêter l'épisode là, puisqu'il est suffisamment. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message à nous dire ce que vous en avez pensé. On s'achemine tranquillement vers la fin, on a fait 41% de la fusée en un épisode. Oh, bien avancé. Ouais, je pense que maintenant ça devrait aller encore plus vite là. Donc on va regarder ça. N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit message et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.